Salut tout le monde, c'est Floodyman, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui car la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement est incontestablement le plus gros projet de cette chaîne YouTube. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous invite à lâcher votre meilleur pouce bleu et si au passage vous pouviez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça serait formidable. Maintenant rentrons dans le vif du sujet. Si comme moi vous êtes totalement addict à Instagram et vous suivez diverses acrobaties en tout genre, alors vous êtes forcément déjà tombé sur cet homme. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce jeune acrobate s'appelle Yaya Sila et vient de Zenoula, un village au milieu de la Côte d'Ivoire, et s'il est connu, c'est parce que c'est officiellement la première personne à avoir effectué un double salto arrière sans élan sur l'herbe. Et quand je dis sans élan, c'est vraiment sans élan. Ce qui est fascinant avec ce Yaya Sila, c'est qu'il prétend ne s'être jamais entraîné dans une salle de gym. Alors, au vu de sa position géographique, on veut bien croire qu'il n'y a pas de gymnase dans son village. Malgré sa renommée, ça reste une personne très discrète, on n'en sait pas beaucoup sur lui, et c'est pourquoi je vous propose de venir avec moi à sa rencontre, afin d'en savoir un petit peu plus sur lui. Merci beaucoup au Trampoline Park Jump City d'avoir financé une partie de la vidéo, c'est super cool, grâce à eux on a pu mettre un petit peu plus de budget dans cette vidéo, encore merci. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Actuellement, nous sommes à Yamoussoukro, à mi-chemin entre Abidjan et Zouenoula, dans le village de Yaya. Et on a passé la nuit ici. Ça fait deux jours qu'on est arrivé, mais il nous arrivait pas mal de galères, donc c'était pas très intéressant à filmer. Mais à partir de maintenant, je vous emmène avec nous jusqu'à Zouenoula. Allez, c'est parti! On est à l'hôtel Faya, on est arrivé. Du coup, on fait quoi? On t'attend? Ok, je viens, je viens. T'es en combien de temps à peu près? T'es là? 10. 10 minutes? Ouais, 10 minutes. Super, impeccable, Yaya. A tout à l'heure, à tout de suite. Yaya? Oui. T'as ton masque? Je te voyais pas, ça va? Oui, salut, ça fait super plaisir de te voir, ça va? Oui, ça va très bien. Ouais. Enchanté. Ça va? Voilà. Oui, ça va très bien. C'est mon frère Ducati avec qui je m'entraîne beaucoup, je cause beaucoup, je me passe temps. C'est vrai? Tu lui donnes des conseils et tout. Ça fait vraiment plaisir de te voir. En vrai, en chair, en os, le vrai. Qui est déjà venu te voir? Personne est venu te voir? Oui, personne. Première fois, ça m'étonne vraiment du tout. T'as déjà vu des gens filmer avec une caméra comme ça? Non, jamais. C'est avec des téléphones. C'est à peine qu'on vient de rencontrer Yaya, qui nous emmène déjà dans son endroit favori pour s'entraîner. J'ai hâte de voir ce qu'il a à nous proposer. Ok Yaya, comment tu fais pour t'échauffer avant de commencer une séance? Bon, quand je viens, je ne m'échauffe jamais du tout. C'est vrai, jamais? Et tu te fais jamais mal? Non, je me fais jamais mal. On peut aller? Vas-y, quand tu veux. Ok. Il a dit un truc facile. Mais je suis vraiment choqué par ce que je viens de voir. Là, ça c'est ton tout premier saut là, Yaya? Ouais, ouais. Tout premier saut? Ouais, je suis choqué. Saut. Tu m'impressionnes. Hey, on n'est pas venu là pour rien, ça je vous le dis. Hein. Ah.
Machine. Machine. Les gars, là, ça fait 20 minutes qu'on est avec Aya et ça fait littéralement 20 minutes qu'il s'entraîne et qu'il s'arrête pas. Je m'attendais pas à avoir autant de force, là, vraiment. Le pire, c'est qu'il enchaîne, et il boit jamais. Il boit pas. Il y a un soleil, il fait plus de 30 degrés, il boit jamais. Bon, et juste pour que vous vous rendiez compte, je vais faire un salto en même temps qu'Aya. Vous allez dire en commentaire c'est lequel qui le fait le plus haut. On va voir. 3, 2, 1... Tellement haut, gros. Ok, maintenant que je suis sur place, je peux vous garantir que le sol ne rebondit pas, les gars. C'est même incroyable, la terre, elle est plus sèche que ce que je pensais. Tu sais, Yaya, en France, on te suit beaucoup et il y en a plein qui disent que la terre, elle est un petit peu humide, du coup, tu rebondis. Non, ça ne rebondit pas du tout. Pas c'est du très, tout. Très, très, très sec, c'est très sec. C'est difficile à se lancer. Tant que tu n'as pas les bases, tu ne peux pas. Du coup, là, je suis, comme vous avez pu le remarquer, avec Yaya Sila. Yaya Sila, est-ce que tu peux te présenter? Je me présente Yaya Sila. Je suis né à Grand Bassam et j'ai même grandi à Genève ici. Je suis principalement le meilleur combat en Côte d'Ivoire. C'est vrai, on n'a pas vu meilleur pour l'instant. Et Yaya, tu as quel âge du coup? Je suis né en 1999. 22 ans actuellement. Oui, j'ai 22 ans actuellement. T'as exactement le même âge que mon petit frère. C'est incroyable. Ok Yaya, du coup là ton réseau social c'est vraiment Instagram, c'est là où t'as le plus d'abonnés, où t'es le plus actif. Ouais. Comment tu fais pour poster tes publications dessus? J'ai pas de téléphone actuellement. Bon, je me connecte avec le téléphone de mon frère, de mon ami à moi, qui est même présent là. Ouais, c'est avec son téléphone que je fais des montages, je mets la musique et je poste sur l'Instagram. Et après ça, je numérise son téléphone et c'est fini. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, tu dis ne t'être jamais entraîné dans une salle de gym, jamais avec un praticable ou dans des matelas, avec des matelas. Est-ce que tu peux nous confirmer ça là? Est-ce que c'est vrai? Je peux le confirmer, je m'entraîne ici depuis 2011. Et après la crise post-électorale qui s'est déroulée en 2010 et 2011, je ne me suis jamais entraîné sur des matériels. Je ne connais même pas des trampolines, même des haies-tracks. Je ne sais pas à quoi ça ressemble les salles de gym. J'arrive souvent même à avoir des chevilles, des coups battus au corps, bah, tout et tout. Mais rien ne m'arrête. Je continue, je ne lâche rien. Voilà, car c'est la passion, c'est l'amour du sport. C'est ça, t'es un vrai passionné. Hein. Voilà, je suis passionné. Comment tu as appris ça? Puisque tu as dit que tu t'entraînes sur la terre ferme, mais qui t'a inspiré dans les acrobaties? Tu t'inspires de qui? Je me suis inspiré à... de Farid Zitoun, précisément voilà en France, de Grace Lubaki, le Congolais, et aussi Aaron Michael Cook, sans oublier Damien Walter. Damien Walter, depuis 2011, je suivais ses parcours, ses filmings. Ouais, 2011, c'était l'époque de Damien Walter. Je n'avais pas encore vu ça réellement, donc pour moi, c'était pas trop vrai. Donc du coup, il y avait des grands frères qui le faisaient au quartier. Je me suis mis auprès d'eux, puis ils m'ont expliqué un peu les faits, et je me suis lancé seul, sans l'aide de quelqu'un. Ici à Zenula, ici? Oui, à Zenula, ici, c'est tout. Tout a commencé ici. C'est sur TME que ça a commencé. Ils font quoi maintenant, ces grands frères? Bon, ces grands frères sont beaucoup dans des budgets comme des photographes. D'accord. D'autres sont devenus des danseurs. Vu dans les conditions dans lesquelles tu t'entraînes, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te blesser ici? Jamais. Je ne me suis jamais blessé. Ok, ça veut dire que t'es solide alors. Ouais. T'es très solide, Yaya. Donc, ok, tu dis que ça, c'est ton sport, c'est ta passion. Ok, mais est-ce que c'est aussi ton travail? Est-ce que tu arrives à vivre de ça? En vrai, en Côte d'Ivoire, ici, non. Non. Non, pas du tout. Je le fais, je pose mes vidéos, puis bon, tout, c'est tout. Hein. Voilà. C'est très difficile d'être connu dans mon propre pays, car tous mes abonnés sont les Occidentaux. La majorité des Ivoiriens, bon, on peut prendre à 2%, 5%, ou peut-être même 1%. Voilà, je ne suis pas très connu dans mon pays en tant que tel. Et c'est pas du tout facile pour moi de percer, d'avoir plus de visibilité. Voilà, je me cachais même pour faire ça. Maman me frappait même pour ça. C'est vrai? Oui, maman me frappait pour ça, parce qu'elle avait beaucoup peur que je casse mon cou, ouais, le bras.
Voilà. Mais j'étais tellement motivé. T'as pas et lâché. Voilà, je n'ai pas lâché. Quand même, on m'appelait même le sorcier Abidjan. C'est vrai. On m'appelait même le sorcier parce que là-bas, je contrôlais même la base. Ok, maintenant, Yaya, toi, là, maintenant, quel est ton rêve? J'aimerais bien voyager et être un jour en France, parmi vous, sans même oublier aussi mes idoles, comme Fariz Zetoun, Ibra Koba, Vivien Dumoutier. Voilà, tout ce que j'ai appris, j'aimerais apprendre aussi à d'autres personnes. Transmettre ton expérience. Voilà, transmettre mon expérience, voilà, c'est ça. Ici, en fait, tu n'as jamais fait de battle. Il n'y a pas d'autres acrobates qui se réunissent et on se dit, viens, on va faire une battle. Non, pas du tout. On peut dire dans mon pays, si j'ai le respect, voilà, il y a le respect. On prend le territoire national, hein. Voilà, c'est moi qui commande tout. Voilà, c'est lui le boss. Du coup, j'imagine que tu aimerais affronter d'autres acrobates dans le monde, alors. Ah oui, ça c'est mon rêve, même, c'est mon rêve. Même Franck Vova, il y a un Espagnol, Raoul, j'aimerais faire des battles avec eux. Avec même Fariz et tout, même si c'est possible. Je pense que Farid, il serait très enchanté de faire une battle contre toi. Donc Farid, si tu vois cette vidéo, Yaya, il t'attend. Enfin non, plutôt Yaya, s'il vient en France, là, il va t'attendre. Allez le suivre sur Instagram, parce que Instagram, pour le moment, c'est sa force. Ok, c'est là où il a tous ses abonnés et c'est là qu'il nous montre toutes ses acrobaties. Allez, merci Yaya. Yes. Et du coup, les gars, vous faites pas de salto, vous? Bah non. Avant, mais plus maintenant. Plus maintenant. Yaya, par contre, Yaya, il est tout le temps. Tout le temps, il s'est jamais arrêté, voilà, lui. Jamais. Vous pensez que ça peut être un bon prof? Ouais, il est. Ouais, il peut. Parfait. Il est canon, mais... Il est parfait. Il est canon. Il est parfait. Ok, je défie Yaya, c'est parti. C'est bon. Allez, je rentre chez moi, salut les gars. Dédicace à B-Boy Lélu Riel qui est en France. Et c'est un petit truc qu'il a beaucoup fait, ça me plaît beaucoup. Et je vais le mettre en pratique. Ok. Encore. Wouh! Wouh! Après avoir suivi Yaya toute la journée pendant son entraînement, il a tenu à nous montrer la cour de récréation de son ancienne école. Un lieu très symbolique pour lui. Du coup, c'est ici que je m'entraînais voilà, dans mes débuts. Voilà, vu qu'il y a des enfants qui tassent des bouteilles et puis mettent du feu dans le troupeau de bois, donc j'ai dû arrêter de m'entraîner ici, je m'entraîne maintenant sur la TFM. Le Dubac, je faisais ça sur une petite pente là-bas. Voilà, c'est là-bas que je faisais le Dubac, le son du Dubac. Mais après ça, bon, j'ai arrêté de faire là-bas, donc je fais sur le sol maintenant, mais depuis il y a longtemps, j'ai besoin de m'exercer pour reprendre un peu la forme et je fais encore le son du Dubac. En fait, le tout premier Dubac de Yaya, il l'a fait ici. C'est un tout petit peu en pente et c'est là où il se sentait sécurisé. Alors que maintenant que le terrain il est abîmé, voilà, il est obligé de le faire sur le sol et il peut plus s'entraîner à faire des préparations et tout quoi. Exactement là. Ok, du coup là on va se diriger chez Yaya, c'est avec gentillesse qu'il nous invite chez lui, donc on va voir comment il vit. C'est parti. Tu t'appelles comment? Baki. Baki? Enchanté monsieur Baki. Et ça c'est? Benon. Enchanté monsieur Ben. Une fois arrivé chez Yaya, nous avons été agréablement surpris de l'accueil qui nous attendait. Nous avons pu rencontrer les femmes de la famille, les hommes de la famille, et même les enfants. Mais t'es mignonne toi!
Ce fut un moment très fort. Je ne remercierai jamais assez la famille de Yaya de nous avoir si bien accueillis. Nous, si on arrivait ici, en fait, moi, je travaille dans une salle avec des trampolines. Je sais pas si ça vous parle. Oui. Ils ont payé un petit peu le voyage. Oui. Et ils avaient une vidéo pour Yaya. On va te montrer une vidéo, d'accord? C'est ça. Tiens, regarde, tu prends le téléphone, Yaya, et tu regardes comme ça. Salut Yaya, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, l'équipe Jump City, on t'attend ici avec impatience. On a vu tes vidéos, on te suit depuis un moment déjà. Bah, ça va nous faire plaisir de te voir ici sur des vrais trampolines. On sait que tu n'as pas eu l'occasion de faire du vrai trampoline. Donc avec plaisir, on t'accueille chez nous pour tester nos trampolines, donc traditionnels comme professionnels. Et en même temps, tu as la fosse à mousse avec les trampolines qui donnent sur la fosse à mousse pour tester tes nouvelles figures. Tu es sûr de ne pas te faire mal? En tout cas, voilà, Yaya, on t'attend avec plaisir pour que tu testes tout ça, que tu nous montres de belles choses. En espérant te voir très vite ici à Jump City, Yaya. Prends soin de toi et de ta famille. Ciao, ciao. Voilà, on va faire en sorte que tu aies ton billet d'avion pour venir en France. Enfin, si toi, tu es d'accord avec ça? Il n'a pas hésité. Et attends, regarde, aussi j'ai un autre cadeau pour toi, Yaya. C'est pareil, c'est de la part de Jump City, d'accord? Donc là, tu as les t-shirts Jump City. Et attends, regarde l'intérieur. Regarde l'intérieur. Ça c'est ton téléphone parce qu'on sait, que tu galères. Il n'y aura plus à demander à ses amis pour le téléphone, d'accord? C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Wow. Voilà. Bravo. Il est beau, hein? Il est beau, hein? Yaya, on reste en contact, Yaya. Hein? Merci beaucoup. Ouais, on check. On reste en contact, je t'enverrai des messages et tout ça, d'accord? Instagram? Ouais. Allez, au plaisir, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Ouais, de même pour moi aussi. Et c'est pas, je suis vraiment étonné de voir que vous êtes jusqu'à Côte d'Ivoire si vous faites une interview avec moi. Vraiment, ça me va trop que. On va se voir bientôt. Ouais. Très bien. Et merci! Au revoir, merci! J'espère que vous avez autant aimé regarder cette vidéo que moi j'ai aimé la réaliser. J'ai vraiment vécu une expérience inoubliable. Mais ce n'est pas encore fini. Cette vidéo peut avoir une suite. On est tous curieux de savoir ce que vaut Yaya sur un praticable ou sur un tumbling. C'est pourquoi de mon côté, je m'engage à tout faire pour que Yaya puisse passer en France. Mais j'ai aussi besoin de vous. J'ai besoin que cette vidéo soit bien référencée. Pour ça, n'oubliez pas le pouce bleu, de partager la vidéo à vos proches ou encore de s'abonner, comme ça vous raterez pas la suite. N'oubliez pas non plus de vous abonner au Instagram de Yaya pour lui donner de la force. Sachez que je compte refaire ce format de vidéo, j'ai en tête une longue liste d'acrobates à les rencontrer à travers le monde. Et d'ailleurs, j'ai un deuxième projet qui a déjà été filmé, il manque plus que le montage vidéo et puis voilà, ça va être sur la chaîne YouTube très prochainement. Très honnêtement, ce genre de vidéo est plutôt coûteuse à réaliser, mais c'est vraiment ce que j'aime faire et c'est pourquoi j'ai pris l'initiative d'ouvrir une cagnotte en ligne, très très basique, libre à vous de participer ou non, mais sachez que par exemple si vous mettez 2 euros, ça représentera pas grand chose pour vous alors que pour moi ça représente énormément, rien que pour les futurs projets. Bref, je ferai un point plus détaillé sur la cagnotte la semaine prochaine quand sortiront les scènes coupées de cette vidéo. En attendant, encore une fois, merci au Trampoline Park Jump City d'avoir participé à la vidéo. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas à passer au trampoline du 77, j'y suis régulièrement, donc on pourrait parler, faire quelques figures ensemble. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, même heure pour le vlog sur la Côte d'Ivoire. Portez-vous bien, ciao ciao ciao!